أعزائي الطلبة، مرحبا بكم. Alors aujourd'hui, nous allons traiter l'exercice numéro 10 de la série sur les dipôles électriques. On considère un dipôle électrique constitué d'une charge positive plus Q placé à une distance x égale à moins a et d'une charge négative moins q placée à une distance x égale à plus a, figure 6. Déterminez le champ E électrique créé par ces deux charges au point P situé sur l'axe des y, tel que y est beaucoup supérieur à a. Alors, la dernière fois, on a vu la définition d'un dipôle électrique. Et on a dit qu'un dipôle électrique est constitué de deux charges identiques, mais qui ont deux signes différents. La distance qui sépare ces deux charges, elle est très très petite par rapport à un point là où on veut calculer le champ ou le potentiel. Ça dépend. Alors, dans le cours, on a vu le cas général. Le cas général, le M, il était là, il était un petit peu incliné. Et si le M, il était là, il était un petit peu incliné, on était obligé d'utiliser les coordonnées polaires. Alors ici, nous allons utiliser les coordonnées cartésiennes, Y et X, pas plus. Alors, شوف معايا هنا. Donc, عندي هنا الشحنة تاعي plus Q, راهي في X ناقص A, ou الشحنة moins Q, راهي في X plus A. Où il me demande de calculer le champ au point M. Avec les coordonnées du point M, c'est 0, Y. Et avec Y est beaucoup supérieur à 2A. Normalement, ici, c'est 2A. Voilà. Alors, d'après la définition du champ électrique, alors si j'ai une charge ponctuelle, une charge ponctuelle, ça veut dire shuhna nuqatiya. Ay shuhna nuqatiya tuwalli tahrik al-karabai, li hikoun shidda ta'u k q sur r au carré. Shkoun r hadiya? R, c'est la distance. La distance entre plus q et m. Ou kif hena, c'est k fois moins q divisé par r au carré. Shkoun r au carré hadi, c'est la distance entre m et q. Voilà, regardez ici. Ça, c'est le schéma. Alors, on dit plus q. Hena rsemt الحقل الكهربائي المتولد على بلس كيو هذا اللي جاي بالخضر فوالا وراهو جاي خارج il est il va vers l'extérieur. Pourquoi il va vers l'extérieur? Parce que plus q est positif. Ce qui concerne pour moins q, regardez, il va vers l'intérieur. Le champ électrique en point M créé par moins q, son sens va vers moins Q. Pourquoi il va vers moins Q? Parce que c'est une charge négative. هذا اللي جاي بالزرق. Après, واش درت هنايا? Donc, j'ai le vecteur E plus Q, c'est le champ électrique créé par plus Q, et E moins Q, c'est le champ électrique créé par moins Q. Ou le جهة تاعهم, ça dépend, elle a le signe de la charge. Après, ce que j'ai fait, j'ai décomposé. J'ai décomposé E plus Q en composante normale et composante tangentielle. Maintenant que E plus Q, il a une composante suivant Y et il a une composante suivant X. Voilà, ils sont faits en vert. Et la même chose pour E moins Q, il a une composante suivant X, il a une composante suivant Y.
Et j'ai nommé le alpha hedaya. Regardez, ce alpha, celui-là. Normalement, moi, je dois prendre hedaya, celui-là, qui est entre R et A. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai fait ici, j'ai nommé le alpha. Le alpha, li jay hna. Alpha hedaya, c'est pi moins, par exemple, hna, smih theta. Voilà. علاش خيرت هنا الفا باسكو انا باش ندير الاسقاطات تاع الاشعه بالاسقاطات لازم تكون بزاويه دونك العلاقه ما بين الفا هذه والزاويه المتواجده ما بين ار و ا هي بي دونك هي بي موان الفا دونك هنا تيتا سي بي موان الفا alors ici il me demande de calculer le champ total انا عندي هنا علاقات شعاعيه دونك E total c'est E plus Q plus E moins Q ça veut dire c'est le champ créé par plus Q plus le champ créé par moins Q et moi je ne peux pas additionner deux vecteurs comme ça il faut les décomposer et après il faut les additionner je décompose chaque vecteur a une composante suivant X a une composante suivant Y voilà je l'ai décomposé ici Et donc, après décomposer les vecteurs, donc j'ai mis les composants suivants I seul et les composants suivants J seul. Après, j'ai exprimé les composantes en fonction des données que j'ai. Regardez ici, E plus Q, X, c'est E plus Q sinus alpha, voilà, donc on a l'isqat. Parce que c'est l'alpha, nous avons tenu ici. Donc c'est E plus Q sinus alpha. E plus QY, c'est E plus cosinus alpha. Quand j'ai theta, c'est le contraire. Quand j'ai theta, c'est cosinus theta. Ou c'est sinus theta. Et la même chose pour E moins Q. Après, regardez, E total, c'est E plus Q sinus alpha plus E moins Q sinus alpha. I plus E plus Q cosinus alpha moins E. E moins Q cos alpha phi J. Ça veut dire que le morkibat suivant I ou suivant J. Regardez bien, on dit E moins Q et E plus Q. Shida, on a un haus à Shida. Il y a KQ sur Y au carré. Y, hadi, le massaf m'a bien nocta M. Ça veut dire que c'est le morkibat à nocta M sur Y au carré. دوك الناس اللي كاينين يقولوا لي مادام علاش ما حطيتيش او فوا موان كيو ما نحطوش موان كيو باسكو الاتجاه اون لا بري اون كونسيديراسيون في اتجاه الشعاع دونك اون برون با دو فوا اون كونسيديراسيون لو سين دي شارج il a été exprimé dans la direction des vecteurs qui expriment le champ électrique donc هنا le module des deux champs créés par les charges c'est kq sur y au carré à la mtsawin parce que j'ai deux charges kif kif et par conséquent j'aurai ça donc je remplace et par conséquent la composante suivant j égale à 0 et la composante suivant i c'est 2kq sur y au carré sinus alpha i kunjab le cosinus ou le cosinus theta voilà cosinus theta alors ici pourquoi c'était ça veut dire c'était attendu Pourquoi c'était attendu? Parce que regardez ici, on a une symétrie. Kaintana dorbin nisba li mihwar al-taratib. Kikou kaintana dorbin nisba li mihwar al-taratib. Donc, les composantes suivantes Y vont s'annuler et les composantes suivantes X vont s'ajouter. Voilà, et c'est ça ce qui s'est passé. Alors, regardez ici. Donc, ça, c'était le calcul du champ électrique. Bon, c'était pas demandé le potentiel électrique, mais moi, je l'ai fait. Alors, comment calculer un potentiel électrique dans ce cas? C'est très, très simple. Regardez ici. Donc, là, la distance entre M et plus Q, c'est R, d'accord? Et par conséquent, donc V plus Q, c'est KQ sur R, et V moins Q, moins KQ sur R. Parce que V moins Q, c'est K fois moins Q sur R. Voilà. Le R, il faut l'exprimer en fonction des données. Je connais les données là, c'est la distance A et l'ordonnée Y. Alors R avec, bon, il faut l'ajouter.
Alors, il faut l'ajouter. R, c'est pas notre Pythagore qui est à la fois même écrit. R au carré, c'est A au carré plus Y au carré. Donc R au carré, c'est la racine, comme ça, c'est la racine de Y au carré plus A au carré. Ça, normalement, c'est bon. Et voilà. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice. Je ne sais pas ce qu'on va faire la prochaine fois. D'ici là, on va voir. Peut-être que je vais terminer les exercices sur les dipôles. On va nous lire le résumé de cours sur les condensateurs. Voilà donc, là-bas, c'est fini pour aujourd'hui. Ça, à la prochaine.